Bonjour, bienvenue dans mon monde. Vous savez, j'ai toujours trouvé que les interfaces de Minecraft étaient... Ouais, elles sont ok, mais sans plus. J'ai trouvé un resource pack qui va nous permettre de les améliorer. Il s'appelle GUI Retextures et vous pouvez le trouver sur CurseForge. Pour le télécharger, vous vous rendez ici dans les fichiers, vous prenez la version qui vous intéresse, par exemple pour la 1.16, et vous aurez plusieurs versions. Il y a une version en thème clair et une version en thème sombre. On va essayer les deux. Pour télécharger, on peut ouvrir le dossier. Et pour l'installer sur Minecraft, on va dans Options, Resource Pack et on ouvre le dossier des packs. Ensuite, on peut simplement les déplacer dans le dossier, pouf. Ils apparaissent là et on va pouvoir les utiliser. Hop, c'est parti. Mais déjà, on peut voir quelques changements, la hotbar n'est plus la même. Et si j'ouvre mon inventaire, ça semble un peu plus complet, un peu plus terminé que la version actuelle des interfaces dans Minecraft. Et pourquoi il pleut? Mais attendez, non, c'est même de l'orage, dors moins coup. Donc bah toutes les interfaces ont été refaites, par exemple la table de craft, le livre de craft, les coffres évidemment, que ce qu'ils soient en variante simple ou double, under chest, four, double coffre, blast furnace, smoker, mais aussi des interfaces plus exotiques comme l'alambic où là on a carrément des bubules dans l'interface, l'enclume, la grindstone, la table de cartographie, le truc là, comment ça s'appelle ça? Oh, la table de forgeron. Puis regardez, le stone cutter, on a même des éclats de stone dans l'interface. Et puis donc on a le dark mode. Et là regardez, bah c'est pareil, on a nos interfaces mais en thème sombre et elles sont également bien travaillées. Même les lamas y ont le droit. D'ailleurs pourquoi vous avez de la netherrack vous? Est-ce que... Non. D'accord, vous venez piocher dans les coffres, mais bon, soit. Qu'est-ce que vous nous vendez, mon bon monsieur? Ah oui, ce n'est pas très intéressant, mais vous, au moins, votre interface est refaite aussi. D'ailleurs, c'est tout joli, on a des petits nuages, des mongols fiers, des petites maisonnettes. Que demander de plus? Mon dieu, qu'est-ce que vous êtes bruyant. Donc voilà, bah à mon avis, c'est comme ça que les interfaces pourraient être améliorées. Je pense utiliser ce pack dans mes futures aventures en Vanilla, et s'il vous intéresse aussi, tout ce qu'il faut est en description.